RTCI nous réunit. Nous avons réalisé une étude qui cible pour la première fois en Tunisie et même dans la région arabe des analphabètes pour explorer leur comportement électoral, leur implication à la vie politique et leurs intentions de vote futur. Donc ce qu'on retient de l'étude, c'est que 49,8% sont insatisfaits de la situation politique dans le pays. Aussi, 60% n'arrivent pas à donner une définition du terme démocratie et 60% d'entre eux ne parlent jamais de politique. Aussi, par rapport à la participation politique, on trouve que 51% d'entre eux sont intéressés par la chose politique. Par rapport aux participants aux prochaines élections, on a trouvé que 48,9% des analphabètes allaient très probablement voter lors de la prochaine séance électorale. Étant donné que cette cible-là représente à peu près 20% du corps électoral tunisien, elle peut changer la donne. Et donc, il faudra qu'il y ait beaucoup de travail, que ce soit du ministère des Affaires sociales, que ce soit des ONG, que ce soit de l'ISI, pour que ces gens-là comprennent encore plus leur droit à exercer ce vote par des actions diverses, que ce soit en termes de communication, par des campagnes de sensibilisation, mais aussi par du travail sur terrain, pour que ces gens-là comprennent et votent plutôt pour un programme que pour autre chose.